Il y a beaucoup de montants qui est passé à planifier, à faire des business cases, à faire des plans directeurs de migration de l'informatique traditionnelle en nuage. Près de 90 % de montants est passé à faire ça. Évidemment, dans chacun des business cases, on touche l'aspect technique, on touche l'aspect financier. Les deux sont intimement reliés. L'objectif de la présentation, c'est d'être capable, cet après-midi, de vous donner un petit peu les résultats de ce qu'on voit quand on fait des études comme celle-là, des trucs sur qu'est-ce qui est plus facile, qu'est-ce qui est moins facile pour être capable de passer à l'informatique en nuage, comment je peux aller chercher mes bénéfices et quelles sont, je vous dirais aussi, les meilleures pratiques d'affaires en termes de gestion financière de votre cloud. Donc, en trois mots, comment vous pouvez bénéficier du cloud financièrement? Où y sont les bénéfices économiques exactement? Et comment on va faire pour les concrétiser pour votre entreprise, que vous soyez 1000 employés, 1000 usagers ou 10 usagers seulement? On en parle beaucoup parce que les bénéfices financiers et techniques du cloud sont si importants qu'ils influencent présentement toute l'industrie de l'informatique. Il n'y a pas un colloque qui se fait mondialement qui touche le secteur des technologies sans que le cloud soit un sujet très important. La journée d'aujourd'hui, le colloque est un bon baromètre de la situation. On parle du cloud partout. Effectivement, les bénéfices sont vraiment très, très, très significatifs. On voit également une tendance se dessiner dans certaines organisations, justement parce que les bénéfices sont bons. On va dire, on a une politique de cloud d'abord. Aux États-Unis, dans beaucoup de départements de la Défense nationale et du gouvernement américain, il y a vraiment une politique dans laquelle, avant d'installer un serveur, avant d'installer du logiciel, on va toujours systématiquement regarder est-ce qu'il y a une solution de cloud qui existe, qui est disponible, qui répond à notre besoin. Si oui, ils vont privilégier cette solution-là avant d'aller dans l'informatique traditionnelle. Donc, ça nous donne une polarisation très forte de la tendance et des réflexes de l'industrie. En deux mots, vous l'entendez parler depuis le matin, je ne m'étendrai pas longtemps là-dessus, mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'alléger la charge de l'informatique pour l'entreprise. Cette charge-là, on peut la découper en quatre grands éléments. L'achat de matériel, de logiciels, les coûts de ressources humaines, les coûts d'hébergement. Donc, quand je parle d'hébergement, ce que ça vous coûte en pieds carrés, en climatisation, en batterie backup, en UPS, pour être capable de soutenir l'informatique qui est chez vous. Et finalement, la gestion de cet environnement-là. Donc, le cloud adresse ces cinq éléments-là. Il nous permet d'alléger l'informatique interne et de l'envoyer à l'extérieur. Ce qu'on s'aperçoit à faire un paquet d'analyses, c'est que la ligne du bas est aussi très, très importante. Oui, on a des gains fantastiques. Est-ce qu'on a des gains partout, n'importe comment, tout le temps? Non. Pour être capable d'aller chercher ces gains-là, il faut être capable de décomposer l'environnement informatique de l'entreprise en morceaux, et être capable de dire, ce morceau-ci, oui, je peux le clouder facilement, j'ai des bons gains, évidents, et par contre, d'un autre côté, j'ai des sections de mon informatique interne que je vais avoir beaucoup, beaucoup plus de difficultés à clouder. Par exemple, depuis le matin, on entend le mot « courriel » régulièrement. Évidemment, l'application de courriel est ce que les Anglais disent, un « no-brainer ». On n'y pense pas à 6 piastres par utilisateur par mois. On ne se mettra pas un serveur Exchange. On va clouder la solution de courriel très, très, très rapidement. Par contre, on a vu des cas dans lesquels une entreprise a un logiciel de dessin 2D, 3D, énormément exigeant en termes de capacité de traitement et de capacité de stockage d'informations, c'est une application qui va être beaucoup, beaucoup plus difficile à clouder. Est-ce que ça va être impossible? Non. Mais si je regarde globalement quels sont mes bénéfices, je n'irai pas me casser le basic à essayer de clouder mon application 4CAM 2D 3D. Je vais commencer par clouder le courriel, le partage des informations, le partage de fichiers, puis ensuite, je vais clouder beaucoup plus tard les applications qui sont un peu plus difficiles. Donc, oui, on a des gros
bénéfices potentiels, mais on va avoir une méthode bien particulière et bien structurée pour aller chercher ces bénéfices-là le plus rapidement possible. Ah, c'est de ça que je vais parler finalement. Juste avant, encore une fois, de plonger dans les analyses qu'on fait, on peut vraiment les découper en deux parties qui sont aussi importantes l'une que l'autre. Les bénéfices financiers à une démarche cloud et ce qu'on appelle le potentiel d'affaires. On a des investissements dans une entreprise à faire du point de vue de l'informatique qui ne sont pas et qui ne seront jamais, qui n'amèneront jamais de bénéfices économiques. J'ai des cartes d'affaires. Est-ce que mes cartes d'affaires m'amènent un bénéfice économique? J'en ai aucune idée, mais j'ai besoin de cartes d'affaires. J'ai besoin d'un site web. Est-ce que ça me permet de vendre plus, 6 % 7 % Non, mais j'en ai de besoin. Si vous avez Windows XP dans votre entreprise, vous savez qu'en 2013, il n'est plus supporté. Alors, ce n'est pas un bénéfice économique de passer à Windows 8 ou Windows 9 ou Windows 14, mais vous n'avez pas le choix de le faire. Donc, encore une fois, cet après-midi, on va se concentrer un peu plus sur les opportunités économiques, plus que les opportunités d'affaires. Mais comme je vous dis, ça ne l'éligne pas de un à l'autre. 50 % des analyses qu'on fait, on va souvent déterminer que il n'y a pas nécessairement de bénéfices économiques, mais j'ai des bénéfices d'affaires qui font en sorte que le cloud devient aussi important que si j'avais des réductions de coûts importantes. La meilleure façon d'améliorer notre situation financière, c'est d'être capable de l'évaluer et de la mesurer. Mesurer si j'ai un avantage économique ou pas, ça se fait relativement facilement dans certains cas, si vous êtes 10 usagers ou 20 usagers et moins. Si vous êtes 1000 ou 2000 usagers, là, les choses se compliquent grandement. On va essayer de mettre un petit peu de balise là-dedans. Les éléments d'évaluation bénéfices ou économiques qu'on utilise en général pour les grands projets, les grands environnements, je les ai mis en haut. Des termes un peu plus comptables, là, puis je n'irai pas de façon très détaillée là-dedans. Taux de rendement interne intégré, valeur actuelle nette, délai de récupération et retour sur l'investissement. C'est ce qu'on utilise du point de vue, je vous dirais, un peu plus comptable pour être capable de dire mon projet, est-tu rentable ou pas? La deuxième ligne est beaucoup plus simple, probablement que vous êtes plus habitué avec. En cloud, on va passer de ce qu'on appelle un modèle CAPEX à un modèle financier OPEX. CAPEX, Capital Expenditure, j'ai des immobilisations, je vais acheter de l'équipement, du logiciel, je vais le capitaliser, l'immobiliser et je vais le déprécier pendant plusieurs années. Dans le cloud, je vais essayer d'éliminer complètement mon immobilisation, mes investissements et je vais remplacer ça à la place par des coûts mensuels récurrents. Alors simplement, à la place d'acheter un serveur, du logiciel et un consultant, je vais payer 5$ par mois, puis je vais avoir un service de courriel pour chacun de mes usagers. Comme certains en ont parlé ce matin, ou au courant de la journée, je peux me retrouver avec une facture de 50 à 75 $ pour tous mes services informatiques pour l'année. Alors, c'est fantastique, c'est assez évident qu'on a un modèle financier qui est grandement économique de ce côté-là. Je n'ai pas de serveur, je n'ai pas de logiciel, je n'ai pas à l'installer, à l'acheter, à le maintenir, puis je paye un tout petit 6$ de dollars par mois. C'est ce qu'on voit donc dans la deuxième ligne qui est la plus évidente. Mais le portrait réel, ce n'est pas celui-là. C'est beaucoup plus que ça. Quand on achète un serveur, je l'installe, je le mets en place, j'ai besoin d'une patch après 12 mois, j'ai besoin de le rehausser, j'ai besoin de rehausser l'aspect de la sécurité, il faut que je le mette à jour, j'ai des nouveaux usagers, peu importe, là, en dans 12 mois, j'ai à réinvestir dessus, en dans 24 mois, je vais être obligé de remettre des RAM, en dans 36 mois, je vais être obligé de le changer complètement. C'est ce que la première ligne fait. La première ligne, ce qu'elle me donne, c'est non seulement une évaluation instantanée de ce que mon budget informatique va avoir l'air, en cloud, hein? Mais ça me donne aussi une projection sur 3 ans. Qu'est-ce que je vais éviter comme immobilisation, comme installation sur les 3 prochaines années? Et ça, je vous dirais que ce n'est pas un réflexe qui est fréquent, mais qui est absolument essentiel. Vous achetez un serveur, vous allez le remplacer, c'est sûr. Alors, il faut le mettre à l'intérieur de l'analyse. Et je vous dirais que
Si on considère seulement le CAPEX et l'OPEX, déjà, le cloud amène des bénéfices extrêmement importants. Si en plus, on l'étale sur 3 ans, les bénéfices, là, on arrive à des chiffres comme le 50 et le 65 %. Est-ce que ça va jusqu'à date? Ça, c'est l'évidence. Ce qui l'est moins, c'est la troisième ligne qui fait en sorte que lorsque j'améliore mon budget informatique, je réduis mes immobilisations, je transforme ça en des frais opérationnels, normalement, je devrais avoir un bilan financier de l'entreprise qui est meilleur. En théorie. Si c'est le cas, bien, je devrais, à ce moment-là, être capable d'avoir une santé financière d'entreprise meilleure et avoir une capacité de financer mon entreprise plus facilement. Donc, quand vous allez le voir, la BDC ou n'importe quelle firme qui va vous financer, qui va regarder le bilan devrait être meilleur parce que une partie de vos coûts d'exploitation informatique sont partis. Le quatrième est aussi un petit peu, je vous l'accorde, far-fetch, mais qui est directement relié à ça, dans l'environnement technologique, il y a énormément de fusions, d'acquisitions d'entreprises. On va valoriser l'entreprise, combien elle vaut, sur ses résultats financiers. Si vous avez assaini les coûts d'immobilisation et d'opération de votre budget financier, non seulement vous êtes capable de vous financer plus facilement, mais votre entreprise vaut plus cher. C'est peut-être pas pertinent dans bien des cas, ou dans tous les cas, mais c'est vraiment une réalité. Et là, je vous dirais que j'y vais en crescendo, en descendant. Le cinquième point, lorsqu'on a été chercher les bénéfices du cloud, c'est l'aspect de la gestion de l'informatique. Vous n'avez plus d'informatique, vous ne le payez plus. Non seulement vous ne le payez plus, vous n'avez plus de groupes qui vont en faire la maintenance, mais en plus, au niveau de la gestion de l'entreprise, le temps que vous passiez à gérer l'informatique ou l'équipe d'informatique, vous allez pouvoir le relocaliser ou le refocaliser sur vos affaires courantes de l'entreprise. C'est un point qui est extrêmement important et probablement que c'est le point qui va apporter le plus de valeur à votre entreprise. Plus vous allez mettre de temps dans vos portes et fenêtres, dans vos tables, dans la business que vous roulez, plutôt que de faire de l'informatique, plus vous allez rendre le portrait de l'info nuagique intéressant. Vous allez faire moins d'informatique et plus d'affaires. Là-dessus, je vous dirais, par contre, qu'il y a une question de philosophie. Il y a des entreprises, il y a des entrepreneurs qu'on rencontre aujourd'hui, honnêtement, ils aiment ça jouer dans l'informatique. Ils trouvent ça le cool, ils trouvent ça le fun. Fait qu'ils en ont un serveur, puis ils se mettent les mains dedans, puis ils font des installations. Encore là, c'est une question de philosophie d'entreprise, mais la tendance, c'est d'être capable de dire plus. Pour que mon entreprise soit prospère, je ne veux pas faire d'informatique, je veux faire de ma business. Donc, le cinquième point est quand même assez important et le cloud nous amène en plein ça. Le sixième point est celui qui est probablement le moins important et le moins intéressant, tellement qu'on ne le considère même pas aujourd'hui. De dire que parce que je suis cloudé, je vais avoir un gain de productivité de 7,5 minutes par employé sur un an, pas les fins de semaine, regarde, on ne le met même pas dans les calculs, parce qu'en pratique, ça ne se concrétise jamais. De dire, là, à la fin d'une année, j'avais prévu 12 minutes de gain de productivité par employé, premièrement, je ne suis pas capable de le mesurer, puis deuxièmement, en pratique, là, j'ai peut-être eu une minute ou deux de gain de productivité, puis 7 minutes de perte de temps à cause de Facebook, puis bref, on n'est plus capable de rien faire avec ça. Je vous dirais qu'on l'a utilisé à certaines reprises, dans des plus grandes entreprises, de la façon suivante. On est arrivé à un gain de productivité 15 minutes par personne, 1000 personnes. Ça fait beaucoup, beaucoup de temps. Alors, le financier a tout simplement dit, parfait, on va de l'avant avec ça. 15 minutes fois 1000 personnes, ça me permet, là, je le calcule par cœur, je ne me souviens pas, mais ça me permet de mettre à pied 25 personnes. On les met à pied là, tout de suite. Si vous êtes capable de faire ça, à ce moment-là, ça vaut la peine de tenir en compte l'aspect de la gain de productivité. Autrement, mettez-le même pas dans l'équation. Gain de productivité devrait être capable de vous donner directement, pas indirectement, directement, soit une
réduction de la main-d'œuvre à court terme ou un évitement de personnes à engager plus tard. Dans mes autres bénéfices financiers, qui est peut-être moins direct, là, il y a l'aspect de la responsabilité qui n'a pas été discuté beaucoup aujourd'hui. Oui, on a plein de bénéfices à mettre l'informatique en cloud. Mais un des avantages pour l'entreprise, c'est quand vous avez un département TI interne, avec votre matériel, vous êtes responsable que ce matériel-là et que les services informatiques soient up et répondent aux besoins de votre entreprise. Vous en êtes responsable. Si ça tombe et que vous avez un impact opérationnel, ouais, vous êtes au bat, comme on dit. Quand on va avec le cloud, l'intérêt, c'est qu'on prend cette responsabilité-là de l'interne et on la transporte à l'externe. Je la lance chez Microsoft, chez Google, chez Amazon, et puis bingo! Si jamais il arrive un problème, j'ai tout simplement qu'à faire affaire avec le fournisseur qui va régler mon problème. Donc, quelle valeur, encore une fois, ça a en termes économiques et sur l'entreprise? Difficile à quantifier, mais ça en a définitivement une. Ça allège la responsabilité de la gestion de l'entreprise. Finalement, le dernier, qui est plus une question de bénéfices non financiers, vous avez avec les solutions cloud, telles qu'on l'a vu brièvement aujourd'hui, plus de redondance, plus de sécurité. Ça a une certaine valeur, ça aussi. Si on compare directement les coûts du cloud et d'une solution informatique traditionnelle, c'est de ça que ça a l'air. Informatique traditionnelle, j'ai un escalier parce que j'installe pas un demi-serveur parce que j'ai trois usagers de plus. J'installe un serveur. J'ai cinq usagers de plus, mais je vais acheter une licence ou un logiciel de plus où je vais engager une personne pour un trois quarts de personne. Donc, j'ai inévitablement une évolution de mes coûts en escalier. La ligne verte représente évidemment le cloud dans lequel j'ai tout simplement un coût mensuel par personne, très, très, très linéaire, qui se représente à peu près comme ça. Alors, c'est assez évident de voir qu'au début, excusez, je le ferai plus. Alors, au début, donc, on a vraiment une croissance très linéaire des coûts en fonction des usagers et en fonction des besoins. J'ai mis la courbe très droite, mais si vous avez la chance d'avoir une business qui est variable et saisonnière, vous allez encore plus bénéficier du cloud. Parce que si, par exemple, vous avez à organiser un grand prix qui dure deux semaines par année, et vous allez acheter une quantité phénoménale de services informatiques pour deux semaines, pas pour 52. Vous ne les tiendrez pas en place pendant 52 semaines. Si, comme beaucoup de business, vous avez une business qui est difficile à prévoir, est-ce que vous allez quadrupler votre chiffre d'affaires l'année prochaine? Je vous le souhaite. Je vous le souhaite tous. Mais est-ce que ça va arriver? Même si nos plans sont comme ça, ça se peut qu'on quadruple, ça se peut qu'on divise par deux le chiffre d'affaires. Dans ces cas-là, encore une fois, c'est extrêmement facile en cloud de dire « Je suis 50 personnes aujourd'hui, dans deux mois, je suis 400. » On active des licences, on active des services et c'est tout. Même chose au niveau de la contrition. Si jamais la business va mal, je suis en restriction, c'est extrêmement facile pour moi parce que je n'ai aucun frais fixe de dire je passe de 200 usagers à 25, ce que je vous le souhaite pas. Pardon? Okay. Alors donc, c'est ça. Ce qui est important ici, là, c'est de voir qu'en quelque part, il y a un bénéfice économique au cloud qui est presque sur toute la durée de la courbe, excepté lorsqu'on est rendu à peu près à 800 à 1000 employés. Donc, nos résultats, ils nous disent que rendu à peu près à ces chiffres-là, c'est pas évident. On est peut-être mieux de faire très attention à voir est-ce que vraiment le cloud est encore bénéfique ou si on devrait continuer avec l'informatique traditionnelle. En même temps, c'est là que le terme qu'on a brièvement entendu aujourd'hui qui s'appelle le cloud privé embarque, où on va mettre en place pour les grandes entreprises un modèle cloud, mais en privé à l'interne dans l'entreprise plutôt que de le faire en public.
Si vous avez une forte décentralisation de vos bureaux, vous avez vraiment un cas intéressant pour le cloud. Et ensuite de ça, bon, en priorité, où on va clouder en premier, les solutions web, la téléphonie en deuxième, qui est peut-être une surprise pour plusieurs d'entre vous. La moitié de la business de cloud qu'on voit aujourd'hui est reliée à la téléphonie. Ensuite, les courriels et les aspects de collaboration et de partage qu'on a vu aujourd'hui, calendrier, contact, fichier, etc. Ou, encore une fois, où on va clouder avec qui? Il n'y a pas un cloud qui est parfait. On ne travaille jamais avec un cloud. On travaille avec des clouds. Et c'est ce qu'on appelle le sky computing plutôt que le cloud computing. J'ai un petit bout du cloud Microsoft parce qu'il fait bien mon affaire pour les courriels. Par contre, pour un CRM, j'aime mieux utiliser Salesforce.com. Puis pour le web, peut-être que Yola me fait un meilleur travail. Alors, en bout de piste, c'est non seulement qu'est-ce que je vais clouder, mais où je vais l'envoyer. Et encore une fois, le cloud, il me permet d'une façon extrêmement élégante et facile de dire je cloud une application à droite et je cloud une application à gauche en fonction des besoins que j'ai. L'autre chose qui est intéressante, c'est que tout ça varie dans le temps. Vous commencez avec NetSuite aujourd'hui. Dans un an, vous êtes tanné de NetSuite. Fermez le contrat avec NetSuite. Transférez tous vos usagers avec Salesforce.com et bingo. Sauf qu'il faut vraiment être prêt à ça. Des contraintes et des limites, il y en a. Il y en a quelques-unes qui ont été discutées aujourd'hui. Une des contraintes importantes, c'est la personnalisation. Si vous avez besoin absolument d'un écran bleu et que votre fournisseur de cloud, son écran est verte pomme, je vous dirais, cassez-vous pas la tête plus longtemps, allez voir ailleurs. Essayez pas de demander à un géant comme Microsoft, Amazon ou Google de changer le fond d'écran pour le mettre à votre goût. Ça ne marchera pas. On a essayé. Oui, éventuellement, peut-être que le fond d'écran va être personnalisable, mais je vous dis, là, une des choses à faire, là, rapidement, si vous voulez des gains, le service cloud, il est là, il fait votre affaire, il est bon, allez-y. Il ne fait pas votre affaire, essayez même pas de vous battre avec. Allez-y pas et allez ailleurs à la place. Par contre, ça nous amène un avantage. Ça amène l'avantage de distinguer souvent les désirs des besoins. Et à ce moment-là, celui qui dit que vous avez absolument besoin d'un fond bleu d'écran, peut-être qu'il faut qu'il retourne à sa planche de dessin et dire « J'ai-tu vraiment besoin d'un fond bleu ou c'est parce que j'ai le goût d'avoir un fond bleu? » Et ça rend les entreprises des fois un peu plus humbles dans leurs demandes et ça leur permet de sauver de l'argent. Donc, de faire une réévaluation de ce qui est un besoin et de ce qui est un désir. Les points favorables au cloud. Si votre environnement est parfaitement tuné, vous avez des serveurs haut de gamme, flambant neufs, récemment installés, que vos licences sont parfaites, vous n'avez aucune licence piratée. Je suis certain que personne n'en a ici, mais ça pourrait arriver. Si tout est à jour, vous avez une équipe TI à l'interne qui est compétente, jeune, bien formée, certifiée dans tous les produits, je vous dirais que le cloud n'est pas intéressant pour vous. Parce que vous venez juste de faire des investissements importants. Si vous vous êtes traîné les pieds, vos serveurs sont tous en train de tomber, vos licences sont à moitié piratées, les OS, c'est du XP ou du Millennium, puis c'est tout à changer, vous êtes un candidat fantastique pour le cloud. Parce que plutôt que d'investir massivement et être obligé de remettre votre environnement à neuf, vous allez probablement pouvoir éviter tout cet investissement-là et l'escamoter complètement puis aller directement au cloud. Alors, on voit ça souvent, des entreprises qui, j'achève, sont pas nécessairement en bonne position informatique, ils sont au contraire en excellente position pour le cloud. Comme on l'a dit, la croissance, la variabilité, c'est important, l'équipe TI interne, les projets, assez important. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui se limitent question projet informatique et question projet d'affaires parce qu'ils se disent « Ouais, j'ai un projet, mais ça va être bien trop compliqué de mettre ce qu'il faut en informatique pour que le projet fonctionne en cloud. » Extrêmement facile. On est capable de commissionner un environnement informatique et le décommissionner à la fin du projet très facilement et très rapidement. On a parlé de l'évolution de la mobilité des multiplateformes, un désir de focaliser sur les affaires de l'entreprise. Comment? Comme je vous disais, ce qui est très important dans nos études, ce qu'on a vu, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle un cloud assessment, un portrait global de l'entreprise au niveau informatique et de le trancher en morceaux.
et de voir pour chacun des morceaux quels sont mes besoins, où je peux clouder, où je m'amène des bénéfices économiques, où j'en ai moins, et finalement de faire une carte routière du cloud. Je cloud telle chose tout de suite, telle application l'année prochaine, puis telle autre application, je ne sais pas quand je vais le clouder, peut-être je ne le clouderai jamais. Alors, l'approche qu'on a, c'est un petit peu celle-là, où on fait un cloud assessment et ça ressemble à ça. En bout de piste, on a une carte routière qui nous dit exactement ce qu'on va faire, quand on va le faire, puis on va se mettre en mode ce qu'on appelle « gate stage » ou avec des portes qui vont nous permettre de dire « oui, je passe d'une porte à l'autre et je commence à déployer plus ou moins mon environnement ». Vous avez des coûts à prévoir également dans le cloud. Planification, on a parlé à plusieurs reprises depuis le matin. Vous avez 10 à 15% de votre budget de projet cloud qui va aller à la planification, qui est absolument essentiel. C'est ce 15%-là qui va faire en sorte que votre projet de cloud va amener les bénéfices que vous voulez et qui va les amener d'une façon intéressante et cohérente. Vous avez besoin d'avoir un accès Internet rapide et redondant. Déjà rapide, si vous n'avez pas Internet haute vitesse où vous êtes, probablement que ça va vous le prendre. Est-ce que il est là? S'il n'est pas là, est-ce que Vidéotron va vous charger 12 000 $ de frais de construction? Je ne sais pas. Mais encore une fois, c'est un peu du cas par cas, mais vous allez en avoir besoin tôt ou tard. Redondant. Un accès Internet si votre téléphone et tous vos services informatiques sont cloudés et que l'accès tombe, vous ne l'aimerez pas. Vous ne trouverez pas ça drôle. Donc, ça me prend absolument, en fait, deux accès Internet. Redondant, ça veut dire pas deux accès Internet chez Vidéotron. Excusez les gens de Vidéotron, s'il y en a. Un accès Vidéotron, un accès Bell, un accès Fibre Noire, un accès peut-être cellulaire avec le LTE qui me donne 22 Mbps par seconde de bande passante aujourd'hui. Avec le cellulaire, je suis capable de considérer ça. Vous avez également à mettre à jour le réseau local de votre entreprise. Donc, le réseau interne va avoir une charge de trafic beaucoup, beaucoup plus élevée qu'avant. Vous devez investir de ce côté-là. Ça veut dire les switches, les routeurs internes. Je ne dirais pas de façon très détaillée, mais c'est ce que ça veut dire. Il y a un élément que j'ai oublié de mettre là, qui est très important aussi, qui est la gestion du changement à l'interne. Vous allez avoir de nouveaux outils. Comme je vous dis, si tout le monde est habitué avec un fond bleu, puis là, il se retrouve un lundi matin avec un fond vert, choc culturel, grave, vous devez gérer ça. Tant au niveau de vos usagers que du groupe d'informatique interne. Eux, probablement, qu'ils ne trouveront pas drôle. En général, il y a énormément de résistance, des fois beaucoup plus, dans le groupe TI interne, surtout s'il est petit, qu'au niveau des usagers. Je ne vous enterrerai pas avec un paquet de colonnes de chiffres, mais avec on peut vraiment avoir une règle du pouce qui dit la suivante. 5 piastres par usager par mois pour un service. Alors, avec ça, on est capable de couvrir, là, je ne vous dis pas que c'est une analyse financière très approfondie, on est capable d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, mais juste pour être capable de savoir, grosso modo, est-ce que j'ai un business case ou si j'en ai pas, ça ressemble un peu à ça. Et encore une fois, c'est relativement facile de comprendre qu'à des prix comme celui-là, souvent, on n'en fait même pas d'études. On va dire, j'ai 20 usagers, j'ai 10 usagers, ça me coûte 60 piastres par mois pour mon service de courriel. Regarde, l'étude, elle vient de finir. Là. Ça a pris 7 secondes. Par contre, quand j'ai le même cas avec 1000 usagers, évidemment, j'ai des considérations beaucoup, beaucoup plus compliquées à analyser. Et là, on est capable de passer un peu plus de temps. Mais grosso modo, là, je vous dirais, allez-y avec un 5 $ par mois par usager, par service, et ça vous donne un portrait pas mal fiable de la situation. Est-ce que vous avez des questions?